la façon dont on travaille avec fred est très particulière. c'est-à-dire que on a un synopsis sur lequel on s'est mis d'accord, mais on a volontairement restreint notre désir d'y voir clair du début à la fin tout de suite. c'est-à-dire qu'on sait où on va, mais on se laisse la, découvrir, la liberté de découvrir comment on y va. ce qui est intéressant, c'est que serge m'envoie séquence après séquence les choses écrites, mais uniquement après avoir reçu la séquence précédente dessinée. Ce qui me permet moi, quand je reçois ces pages, de d'envoyer de... un personnage, par exemple, de me dire Ah ça, celui-là, j'ai envie de le revoir, ou celle-là, j'ai envie de le revoir, et donc de créer un rôle qui n'était pas prévu au départ dans le script. Ce qui fait, et ce rôle peut devenir un rôle, non pas principal, mais en tout cas très important, et influer sur l'histoire. Je ne connais pas euh, le fin mot de l'histoire pour chaque personnage. Euh, je les connais pas, mais je les connais pas pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas vraiment envie de les connaître pour l'instant. Et je pense que l'autre raison, qui est la raison principale, c'est que je pense que Serge ne les connaît pas vraiment non plus. <laughs> J'ai un canevas de, de la fin. Euh, je sais exactement ce qui se passe dans le tome 3 euh, en termes de séquence, mais on n'est pas à l'abri de surprises. C'est parce qu'il peut se passer des choses à l'écriture du synopsis il peut se passer des choses au moment d'écrire les scènes avec les dialogues et il peut se passer des choses au moment du dessin. Là, y a, on voit que le personnage a une jambe qui est très très mal en point. Je n'avais pas prévu du tout qu'elle soit aussi abîmée que ça. Donc, ça m'a fait. Ça m'a donné des idées pour la suite. Quoi. Pourquoi cette jambe est à ce point abîmée Voilà, c'est ce genre de choses qui font que, en fait, chaque dessin est une sorte de tiroir. Tu l'ouvres et tu vois quel contenu potentiel il y a dedans. On réserve une place à l'impondérable, à l'incertain, à l'inconnu. Et je pense que c'est ce qui donne le sentiment de vie dans Saint-Elmo. Ça se traduit dans l'histoire. C'est difficile à expliquer, mais euh, c'est comme la vie. Voilà. Je pense qu'on le sent en le lisant. Pour être très précis, ce que je reçois de la part de Serge, c'est des, des dialogues, des situations, des mouvements, des descriptions d'actions, des choses comme ça. Mais surtout pas case 1, il se passe ci, case 2, il se passe ça, là t'es cadré près, là t'es cadré loin. Non, 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 non tout ça, il n'y a pas. J'écris la scène, dialoguer. Et à ce moment-là, j'hésite pas à en faire trop, parce que je sais que Fred, ce qu'il qu aime bien, c'est piocher en fait, dans ce matériel pour le concentrer le plus possible. C'est Séquence 7, le port. C'est vraiment la nuit maintenant. Il est tard, les gens ont dîné et commencent à tourner dans les bars et les boîtes. La faune a un peu changé par rapport au moment de l'arrivée de Franck. Moins de randonneurs et de touristes verts, plus de jeunes femmes, de gars en quête d'émotions fortes, de costauds proto-russes qui cherchent un coup à faire. Sans être totalement mafieux, c'est un peu plus chaud que la moyenne. Il y a plusieurs boîtes sur le port, le 666, le Taifair, le succube Club et le Mirage. C'est dans celle-là qu'on entre mais elle n'a vraiment rien de particulier, c'est une boîte comme les autres avec le même dance floor et les mêmes fêtards dessus, les tables box un peu à l'écart, densément peuplées, le même comptoir où deux barman et une barmaid enchaînent les cocktails, ça danse, ça picole, ça discute en criant et ça dragouille, enfin, c'est une boîte et c'est là au milieu de ce chaos stroboscopique qu'on retrouve Franck et Dombre attablés dans un box. Là vraiment, si on fournissait ce que Serge m'envoie à d'autres dessinateurs, on aurait tout autre chose, et pas seulement en termes de dessin, d'ambiance, de, de, de personnages, etc., mais en termes surtout de rythme, on aurait tout autre chose. Parce que le rythme, ça, c'est vraiment. Euh, c'est pour moi, c'est là qu'il y a le style, et c'est là qu'il y a le, le, le plaisir le plus profond, quoi, en fait. C'est presque euh, musical comme façon de penser, c'est-à-dire qu'on. On sent qu'il y a des choses dans ce qu'il envoie auxquelles on va donner plus d'importance qu'à d'autres choses. Ça veut dire on va étirer et contracter le temps sur, cer sur certaines choses. On va, on va découper en plusieurs cases des actions qui pourraient être montrées qu'en une seule case, ou l'inverse. Euh, là, pour, par exemple, il y a quatre pages découpées hein, par page de cahier. Il n'y a que moi qui peut comprendre, euh, ça ressemble à des notes de musique en fait, c'est comme, si, euh, comme si on avait une blanche pour une grande case, une croche pour une toute petite case, une noire pour une case intermédiaire, etc. Puis on, on joue, on, on fait monter et descendre le rythme, on, on accentue la mélodie, on la fait disparaître, on, on réfléchit à ce qu'on montre et ce qu'on montre pas. Euh, voilà. Après, c'est une suite de petits choix euh, infinis, quoi. Parfois, il choisit d'aborder euh, les scènes complètement différemment de ce que j'avais imaginé. Parfois, il dessine exactement ce que j'ai écrit. Parfois, pas du tout. Donc, quand j'écris, je sais que euh, il, 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 il se sentira très libre par rapport. À... Donc, du coup, moi aussi. Voilà. Et c'est euh, l'arrangement qu'on a trouvé est un arrangement assez miraculeux puisqu'il il augmente notre liberté à tous les deux. Mmh. Moi, dès le départ, ce qui était, ce qui était sûr, c'est que ça allait être très noir. Il y aurait beaucoup de noir. Et ce serait même parfois très sombre, voire même parfois presque trop sombre. Euh, on est dans un récit noir, euh, donc on est dans le contraste entre des scènes très nocturnes et des scènes très solaires. Mais il faut, il faut qu il y ait, pour que la lumière surgisse, pour que la couleur surgisse, il faut qu'elle contraste avec beaucoup de noir. Donc, euh, travail au pinceau, assez rapide des aplats noirs, euh, quelque chose d'assez urgent, euh, très clair dans la lecture, et, 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 et un travail d'ambiance qui passe beaucoup par la couleur, par les aplats. Avant même toute discussion sur l'histoire, il avait envie d'une bande dessinée, il me l'a dit tout de suite, euh, avec des couleurs euh, supersaturées, euh, des contrastes de couleurs très violents, des couleurs pas du tout naturalistes. Euh, il avait envie d'explorer un monde pictural, un monde de couleurs qu'il avait, je crois, jusqu'ici pas, pas touché. Il y a eu tout un processus de, de recherche de dessin et de recherche d'ambiance avant le découpage, avant même que Serge ait commencé à réellement écrire. C'est-à-dire pour faire fonctionner ce système de couleurs avec l'ancrage, avec la posture des personnages, dans les décors, etc. Donc en fait, moi, j'ai toute une, une banque d'essais que j'ai fait au préalable hors planche. Et dans lesquelles je vais repiquer à la pipette euh, les bonnes couleurs. J'ai tout défini ça à l'avance. Et là, j'avais envie euh, de travailler avec des aplats absolument rigoureux, dans des couleurs euh, très denses, avec beaucoup de cyan, beaucoup de magenta, et, euh, et faire des choses très contrastées euh, et, et très claires aussi, souvent avec des dominantes très claires dans une planche. C'est-à-dire euh, deux ou trois couleurs dominantes et pas plus. Ben, je crois que ça allait avec son, avec son désir de faire un Twin Peaks. Euh, européen ou un fargo européen, c'est-à-dire euh, cette idée de, de dire par la mise en scène et par les choix, alors pour, pour un cinéaste ce serait la mise en scène, pour lui c'est en plus le choix des couleurs, de dire qu'on n'est pas tout à fait dans le monde naturel, dans, le monde, dans un monde réaliste, naturaliste, C'est pas un monde fantastique, mais c'est un monde où il euh, y a une puissance onirique à l'œuvre, et elle est marquée par le, par le choix des couleurs. Ce qui est intéressant en bande dessinée, c'est quand on utilise la couleur à la fois pour faire de l'ambiance et, 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 et plaire à l'œil, mais aussi en termes de, de code narratif, c'est-à-dire quand on indique euh, par le rouge, par le bleu, par le jaune, soit une temporalité, soit une, euh, une émotion, c'est-à-dire quand la couleur, elle reflète ce qui se passe à l'intérieur des personnages, c'est là que ça devient intéressant. Donc, voir ces couleurs incroyables, ça m'a euh, assis pendant un moment. Je, je, je me sens euh, très privilégié de faire une bande dessinée aussi luxueuse, en fait. Pas luxueuse au sens matériel, mais luxueuse, euh, visuellement luxueuse. Voilà. C'est une splendeur, cette BD.